Hey, vous savez quoi? C'est une nouvelle année avec un nouveau logiciel, une nouvelle intro. Voilà, j'espère que ça vous plaira parce qu'en tout cas maintenant ce sera comme ça. Voilà, je me suis fait plaisir. Toutes les informations seront en barre d'infos concernant le logiciel et tout et tout et tout. Mais sur ce, parlons de choses un petit peu plus sérieuses. Cette vidéo est là pour vous présenter la nouvelle Kawaii Box. Donc comme ça, ça vous dit rien du tout. Voilà, c'est la nouvelle Kawaii Box de décembre que je vais vous présenter. Comme d'habitude, vous trouvez les Kawaii Box sous ce format-là avec le petit dépliant. Donc franchement, ça change beaucoup. J'aime beaucoup le dépliant avec en mode Père Noël, enfin Mère Noël plutôt, avec tout, voilà. Bon, ça peut paraître bête, mais j'aime beaucoup. Et dedans, il y a tout ce qu'il y a dedans en fait, et on va découvrir tout. C'est trop mignon. Alors, on commence par une pochette Totoro. Une pochette Totoro. Where is? Là. Oh, c'est tout doux. C'est tout doux. Ah, j'adore. Donc voilà, ça fait une pochette Totoro avec... Oh, avec une... voilà, comme ça. Ah, il y a même Totoro dessus. Ah, c'est stylé. Voilà, de plus près. Je trouve ça plutôt stylé et en plus le truc il est tout doux. Ok, après on a une crème pour les mains. Là en chat. Voilà, elle sent quoi? Et on va voir ce qu'elle sent, je suis curieuse. Ah, ça sent trop bon. Bon, il y a le truc là mais... Ce truc là sent trop bon. Ah mon dieu, sent trop bon. Donc voilà, c'est une crème pour les mains. Après, on a une bague nœud doré réglable. Là. Ah, moi j'ai les boucles d'oreilles comme ça. Ah bah comme ça j'aurai la bague. Et heureusement qu'elle est réglable parce que moi mes petits doigts. Ah, quoi que ça va. Ah, ça va bien avec le vernis, je trouve. Voilà, donc elle est trop grande donc il faut la régler. Alors, elle est plutôt sympa. Ouais, j'aime bien. Après, il y a un porte-monnaie Sentimental Circus. Un porte-monnaie? D'accord, il est un peu grand quand même pour un porte-monnaie. Donc voilà, un porte-monnaie apparemment. Voilà, ce truc-là est aussi super agréable. Il n'est pas aussi doux, je trouve. Voilà, mais c'est super agréable et c'est super mignon. Voilà. Après, un stylo Totoro. Donc là il y en a un blanc et un noir, moi j'ai eu le noir et il écrit, si j'arrive à l'ouvrir, ah j'arrive pas à l'ouvrir, c'est un stylo noir, voilà, super stylé et je vais le prendre pour les cours, voilà, au moins j'aurai un stylo noir, voilà, il va rejoindre ma trousse pour les cours. Ensuite un enrouleur de câble chat, ce truc là, un enrouleur de câble. Ah bon? Voilà, c'est mes écouteurs. Voilà, c'est pour enrouler les câbles comme ça. Ok, on n'a pas la même définition d'enrouleur de câble. Et voilà, un enrouleur de câble. Moi, c'est pratique, hein, ça évitera que les écouteurs se faillent dans notre poche à chaque fois. Hein. Après, on a un squishy. Squishy. Ah. Squishy. Voilà, donc c'est Brilakuma dans une espèce de tarte à la framboise. L'idée est pas mal, faudrait peut-être refaire ça en filmo. Voilà, squishy. Après, un vernis à ongles Kokeshi. Le voilà. Les grosses paillettes. Ah, trop bien. J'aime. J'adore les vernis, mais c'est un truc de malade. Après, là, on a un mémo Rilakkuma. Voilà. Bref, c'est un mémo, quoi. Là, il est jaune.
Moi j'ai eu Rilakkuma, enfin là c'est le poussin, je sais pas comment il s'appelle le poussin. Là c'est Rilakkuma, donc le mémo c'est juste sa tête. Et là c'est plutôt stylé, c'est marrant. Après on a une carte Rilakkuma. Une carte. C'est ça la carte? Peut-être. Je ne sais pas. Ça doit être ça. Voilà, une carte. Juste une carte. Après, un cache-clé. Ah, celui-là, je l'avais pas. Par contre, là, c'est pour les grosses clés. Et je n'ai pas de grosses clés. Donc voilà. Il y a 4 modèles à ce que je vois. Donc moi, j'ai eu celui-là. Un strap Totoro. Oh, c'est tout doux. Donc ça c'est le rose, là il y a le gris normal, moi j'ai le rose. Il est trop trop doux. Après on a une peluche Rilakkuma. Et voilà une peluche. Donc il y a sans doute plusieurs modèles. Donc, moi j'ai eu celui-là. Il est trop mignon. Il est déguisé en cerf ou en reine, je sais pas. En reine. Après on a une pilule avec un message surprise. Alors, qu'est-ce que c'est que ce truc? J'ai l'impression d'ouvrir un petit truc. Alors, qu'est-ce que ce message nous raconte? Ah d'accord, c'est à nous d'écrire le message. Ouais, voilà, ça peut être marrant aussi. Donc voilà, nous allons écrire un beau message qu'on allons donner à je sais pas qui. C'est pas grave. Tout ça, on remet dans l'anneau. Franchement, l'idée, je la trouve pas mal du tout. Voilà, on remet dedans. En plus, c'est facile de... truc, voilà. L'idée est pas mal, pas mal du tout. Au pire, on va faire des médicaments kawaii en fimo. Voilà, ça va faire... c'est la période médicaments. Voilà, et dernier truc, un rouge à lèvres parfumé. Un baume à lèvres parfumé. Ah ouais, c'est les baumes qui sentent trop bon, là, qu'on a... Ça sent trop 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 bon. J'adore les rouges à lèvres, les baumes à lèvres comme ça. Et les bonus, donc c'est des bonbons. C'est une sucrerie surprise dans toutes les boxes. Donc voilà, dans toutes les boxes, vous allez recevoir un truc à bouffer. Et moi, j'ai eu un sucre d'orge et ça tombe bien parce que j'en ai mangé qu'une seule fois à Disney, je crois. Là, j'en ai mangé qu'une fois et c'était trop bon. Et là, ça va être la deuxième fois que je vais pouvoir en manger un. Enfin, bref. Voilà, voilà. Ça, c'était la box de décembre. Dites-moi en commentaire le truc que vous avez préféré. Moi honnêtement je crois que c'est ces deux trucs là. Avec le vernis peut-être. Voilà, un stylo. Oui j'adore les stylos, j'adore les ce qui est papeterie aussi. Mais lui il est trop beau, il est tout fin, il va rentrer bien dans la trousse. Ça c'est parce que j'adore bouffer et ça c'est parce que j'adore le vernis. Bref, c'était mes trois produits préférés de la box. Et vous dites-moi ce qui vous plaît, ce que vous avez préféré dans cette box. Et sur ce, on se retrouve samedi pour le prochain tuto. Et toutes les infos sur cette box ou autres seront en barre d'infos, dont le lien du site où vous pourrez retrouver toutes les box.